Le règlement sur la restauration de la nature, c'est l'interdiction de la pêche, de la chasse ou encore des pesticides. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de réduire les pressions qui pèsent sur les écosystèmes. Le règlement laisse les États libres dans le choix des moyens qu'ils retiennent pour y parvenir. Une mesure de restauration peut par exemple consister à travailler sur les changements de pratiques agricoles pour stopper le déclin des insectes pollinisateurs. Il peut s'agir d'encourager l'agriculture biologique, l'agroforesterie, la polyculture ou encore la rotation des cultures. Concernant la pêche, on pourra limiter l'activité de pêche dans certaines zones sensibles sans nécessairement l'interdire. On peut par exemple privilégier des pratiques durables, réduire l'impact des engins de pêche par l'innovation technique ou encore restaurer des zones de reproduction pour les espèces.